chaque fois qu'il me marche dans mon jardin comme ça, moi, tout en réfléchissant, une simple affaire, c'est les engrais de plantes, des azotes magnifiques. Donc, je me pose la question, qui fait se détruire la nature à ce point-là? Et quelle relation qui l'humain bizarre avec la nature? Le plaisir d'être aux autres dans deux bras, dans un jardin paradis qui nous essaie de construire. Comme je te connais, enfin, nous avons déjà plusieurs visites ici. Nous explique pas mal de plantes, etc. Et de tirer cette l'époque longtemps. Et ben, aujourd'hui, nous pourrions faire ça un peu, faire un petit détour dans le jardin, recoser un peu, ben, ça fait un peu temps, qui, par exemple, à l'époque, ben, dit mon, manière dont tu peux vivre, qui fait qu'il faut nous reconnecter nous un peu, que ça nous a fait un peu temps de l'époque. Et donc, nous pourrions visiter un peu, ben, différents types de plantes. Et faire ben la ben tirer cette intégration avec ça. Donc c'est intéressant ce qui ben dit bois là. Nous gagnons l'automatique ça quand on a ben pied autour nous, ben petit branche qui tombe, ben petit branche qui peut couper. Nous n'avons pas besoin de couper un pied net, nous servons au fur et à mesure. Donc là, nous évitons, nous, c'est ça. Bon, nous gagnons une ressource naturelle qui les transforme en énergie, qui diffère, et avec ça, nous sommes capables de cuire. Donc, quand nous causons le mot récif durable, qu'il veut dire, ça veut dire que nous avons besoin d'aligner nous avec un principe écologique. Nous respectons la nature et nous travaillons avec une énergie naturelle. Donc, la permaculture, ce qu'il fait, c'est de créer une action citoyenne que nous cultivons, nous mangeons. Et qui nous génère nos propres énergies et nous gère nos bonnes ressources. Alors aujourd'hui, comment nous pédier, nous pouvons causer une bonne recette un peu d'époque. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il nous peut travailler avec toutes les affaires qui sont dans la cour. Par exemple, ça, c'est un truc qui m'arrive intéressant, qui n'a pas beaucoup de bonnes services aujourd'hui. C'est une feuille de patate douce. Je ne sais pas si je peux trouver bien là. Une feuille de patate douce qui nous met tremper, qui nous peut préparer. Ensuite, il y a fouille à pain. Fouille à pain, c'est une affaire extraordinaire. Hein. Bon, moi personnellement, si vous avez une affaire pour expliquer l'eau là, c'est que dans Maurice, il y a fouille à pain, il y a zarc, il y a patate douce, il y a arouille et manioc. Donc ça, c'est un produit qui pousse naturellement, qui n'a même pas besoin de mettre un produit chimique là, et qui vient d'un aliment de qualité. Donc, il est très important qu'il nous reconnecte avec sa ressource naturelle qui est extra importante. Donc, fouille à pain, il y a plusieurs manières qui nous préparent. Hein. Nous pouvons brûler, nous pouvons frire, nous pouvons cuire direct l'eau diffée. Aujourd'hui, nous pouvons faire un petit truc, en fait, à l'aise vous trouver, mais nous pouvons aller pour l'option bruit plutôt. Okay? Ensuite, nous avons aussi des poireaux, toujours dans le jardin, qui pareil poussent, nous fait, qui poussent très très bien. On est couplé, au lieu de rassler ou couplis, les là, poireaux la repousser. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, nous avons aussi une feuille roquette. Roquette, moi personnellement, c'est un produit marin intéressant parce que je suis bien content sur le goût. Donc il y a une salade finalement. Donc ça, je vais mettre ça. Et voilà. Là, ce que nous pouvons faire, nous pouvons nettoyer les fruits après là. Pendant qu'il fait prépare toujours l'autre côté. Donc voilà. Il faut y avoir une chose, hein, il y a un cousin en jarc au fait. Donc il y a un petit gilet là-dedans, on laisse le gilet là aller. Moi, je couple en deux comme ça. Quand on a besoin de brûler, les là. Dans sa façon là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, quand vous cassez une fouille à pain, vous cassez le verre, mais vous cassez un peu, on va dire, quand on a un peu de gilet sur la peau, là, les plis macho pour casser. Et à côté de ça, vous cassez le verre un peu meilleur quand il ramollit un petit guet. Mais là, quand on brûle entier, il vous gagne un petit goût un peu doux. Ça veut dire qu'on va dire un petit goût de banane. C'est bien intéressant aussi quand on l'est meilleur. Donc, il n'y a pas de vraiment une légume fantastique. On va dire, on mange un peu vert, on mange quand il est plein, on mange quand il est mis et tout. Et tout qualité recette, comment tu peux dire, t'es là. Parce que là, on a fait la peau, mon garde-lit, parce que, bien sûr, il peut aller dans le compost. Hein. Compost, soit pour nourrir les plantes, soit après, on prend ça pour les poules aussi, dans mon petit bébé là, dans mon poule, quand on mange. Donc voilà. Alors là, ce qu'il me fait, mon couplé en morceau. Je vais tirer sa bout au milieu là tout au fait. Hein, ben, je vais manger mon poisson. Je vais manger, mais pas extra.
couper un petit morceau, comme ça il bouille assez vite aussi. Ici, d'aller pour mettre ça dans des lots qui peut bouillir, l'eau du feu là au fait. Hein. Donc après c'est ça, c'est quand nous cuit l'eau au feu de bois comme à longtemps, ben, la fumée lui donne un goût qui m'a réintéressant. Et après du bois, il ne faut pas oublier. Enfin, il y a beaucoup de gens qui peuvent couper pieds aujourd'hui, ça c'est un autre problème, mais ban pied ou quand couper un peu sur ban branche. Ban branche plutôt me toucher le chip. Donc c'est ça qui appelle récolter du bois pour faire du feu. Et là, quand on fait du feu ou cuit l'eau, là, mais, ou manger, gagne un autre goût. C'est ça qui est intéressant dans sa côté, on va dire, quand on cuit des eaux, là, quoi. Un autre plaisir net. Donc, du coup, ce qu'il nous fait, nous refait un petit récap, ce qu'il nous causait là. Fruits à pain. Un légume de longtemps et surtout il rappelle par l'époque, comment dire, par le du moulin. C'est-à-dire nous spécialiser ce qui tient là, parce qu'il y a beaucoup d'importations comme aujourd'hui. Et donc le fruit à pain, nous pouvons servir l'eau du feu là-bas. Ça, c'est la peau de fruit à pain là qui nous peut garder. Trop souvent, nous pensons qu'il nous besoin de cette bonne affaire. Mais en fait, oui, il y a une forme zété, mais c'est pas nous pas zété dans le plastique. Nous zété des eaux, les là, les vignes qu'on poche. Donc on poche là, soit pour servir pour replanter. Soit ou quand mettre les bandes poules, les bandes poules pour manger un petit bébé qui est là-dedans. Donc tout est dans ce rôle, il n'en est pas zété véritablement. Nous transformons les plitures. Donc ce qui nous fait, c'est là, on va mettre sa fruit après la pluie. Et voilà. Ok. Donc nous pour mettre sa fruit après la pluie, un coup là. Déjà là nous recouvrir la marmite comme ça les cuit tranquille vite. Comment je trouve, il nous a fait bien simple, une marmite, un grill autour avec man roche, moi c'est un fire pit hein. Après on a du bois là-dedans, donc là par exemple nous pouvons buter l'eau ça du bois là et nous pouvons nous fouiller à pain tranquillement. Il paraît comment tout ça va nous faire que je peux trouver là en fait tout est man du bois ramassé là hein. Je dis, tu peux couper, coup de pied, je ramasse ça. Et là, qui peut venir, tu coupes le verre. Et là, nous avons 6 lots là. Ça va faire coucou là. Mais fait coucou, nous couplons, nous servons comme un petit truc pour faire l'ombrage. Comme ça, nous partons tout le temps dans le soleil. Et un bout de bambou qui me servit pour faire sa toiture là, qui est un matériau flexible. Donc, comment je trouve la nature, nous devons travailler avec lui. Si nous travaillons avec lui, nous avons fait une petite ambiance comme ça qui est bien sympa. Sans nous détruire lui au fait. Ok, donc il y a un thème qui est intéressant, on appelle ça socializing. Okay? Donc socializing, il y a un aspect qui est important là-dedans, c'est nous penser nous faisons socialiser sur 10 mounes. Okay? Mais je, quand nous avons des pieds, quand nous avons des animaux, c'est une forme de socializing. Et quand on a un respect pour la nature, l'environnement est bon pour qu'on socialise d'une façon de qualité. De manière qu'il peut traiter un petit monde. Par exemple, un pied goyard. Vous trouvez un petit monde passé où on a 10 goyards. Mais on a cassé deux ou deux nids. Donc ça crée un socializing positif. Si nous comparons avec les autres ambiances, mais moi, je suis inspiré pour travailler avec la nature, pour créer cette bonne qualité, si vous voulez. Comme je dis ça, l'abondance. Dans la place où je dis, pena ça, pena ça, pena ça, pena ça. Mais dernièrement, on a beaucoup d'en rien. Donc, moi, en tant que cuisine, je dis, c'est mon envie de planter. Donc, on est qu'il y a un pied zac, par exemple, quand on coupe un zac. Mais ça, on ne peut pas entasser ça. Hein. Parce qu'il est tellement énorme, ça fruit là. Donc, c'est un exemple qui la nature, infini design, pour offrir à nous tout ce qui nous visait. Par contre, qui fait nous fait envie de détruire tout pour venir expliquer du monde. Ah là, il a, ou bien mange pommes de terre en la poudre. Nous avons tout à fait en la poudre, mais ça n'est pas naturel. Donc, nous pouvons bien aller nous, la nature, nous pouvons en servir. Et par exemple, goyave là. Hein. On veut voir là même, on casse un goyave là, direct. Et goyave, quand il est rapporté,
Ou gagne Marie beaucoup et dans différentes qualités goyave aussi. Goyave de laine, goyave de Chine, goyave de France, gros goyave blanc, gros goyave rose. Tout cas, il était forme, tout cas, il était goût. Ou quand fait jus en lit, ou quand mange comme ça, ou quand mange un peu vert, ou quand mange les mires. Et après, il y a une autre affaire qui m'a envie de souligner là-dedans. C'est que, bon, après, il y a une mouche de fruits. Ben, dis-moi, on souvent plaigné, aïe, au moment de fruits, une piquée, pas qu'à manger. Mais nous avons réfléchi plusieurs trucs. C'est qu'aller les piquer. Mais mon préféré manger un fruit qui est un peu piqué, qui est un fruit qui est lisse net et qui est traité avec un produit chimique qui est encore plus nocif. Maintenant, un petit piqué, si il y a un blanc qu'on dit, ça veut dire que c'est un disef. Même si il y a un petit love, il n'est pas grave. Pour lui, il n'est pas fermenté et ce goût bon. Right? Maintenant, une autre affaire encore, c'est que si nous prenons par exemple mousseline sur love, mais nous manger. Il y a dans les autres pays qui mangent dans les autres qualités love. Mais si vous mangez un petit bébé dans le goyave là, vous n'avez pas aucun problème, ça va vous garantir. Maintenant, une autre affaire encore, c'est que ça va le fruit là. S'il est piqué un peu trop vieux aussi, nous pouvons nourrir des animaux, ça, hein, comme une poule par exemple. Comme ça, dans un petit moment. Alors, du coup, dans la permaculture, comment nous approche, disons, l'élevage, qui a une facette intéressante de ça aussi, c'est que d'abord, nous mettons des plantes. Hein, parce que des plantes, comment multiplier ça? Et pour créer aussi ben, manger pour les animaux, et pour créer l'ombrage pour les animaux qui ont une cassette ou les gars en plein soleil. Par exemple, les poules ont monté au pied, donc les vignes de personne naturelle. Donc d'abord, nous plantons tout ce que nous avons planté. Et là, depuis quelques temps, justement, nous amenons aussi des animaux que je peux trouver. Mais nous commençons par poules avec canards. Hein. Donc nous avons un système avec des canards et des poules. Pour quelle raison? Parce que bon, moi, je suis un qui me. Comme dirait un camarade, je suis flexible, hein, je mange un peu de tout. Et ma poule, ben, je peux gagner ma disef. Et je peux gagner ma poule de qualité surtout. Hein. La chair est différente, la texture est différente, le goût est différent. Bon, de toute façon, tout ce qu'on appelle fruits, légumes et animaux, quand on peut faire lit dans ce système-là, lit bien meilleur au niveau goût, au niveau tout, pour la santé, etc. Donc, ma poule, maintenant, dans un système permacole, qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'automatiquement, je ban agent de transformation. Ça veut dire qu'il peut aller, il peut piquer un peu de ban insectes qui le ban pied, il peut manger un peu de feuillage, il peut gratter et il peut se ban déjection pour venir fertiliser sa zone. Okay? Donc en même temps, il peut créer compost, il crée la nourriture, il entretenir le jardin d'une certaine façon. Bien sûr, il y a ce ban technique, il ne peut pas avoir un club partout, brit. Donc c'est très très positif pour les animaux dans un élevage. Maintenant, le canard, pareil, non seulement il peut manger des petits insectes, il mange carrément des coupa. Donc, petit coupa, par exemple, je peux avoir une linette, gros coupa, il peut tirer un lit, ou si vous avez un casse coupa là, il peut manger. Il mange des cris, même, hein, le canard là. Donc, il extrait. Donc, par exemple, le coupa, dans la place où vous pouvez trouver, il y a un problème, c'est-à-dire nous allons empoisonner, etc. Mais nous pouvons mettre un peu de canard, le canard là, nous pouvons nourrir avec coupa. Donc, vous pouvez réaliser qu'il y a une place côté de canard, puis il y a coupa, dit tout ça. Hein. Donc, on peut aussi développer un système que le canard là, il mange un peu de coupa, après il rentre dans sa place. Donc, c'est à ça que ça sert. Ok, donc, si moi, pour conclure, je vous dis, ce serait par rapport à, au respect de la nature. Hein. Donc, ça veut dire que nous devons réapprendre content des affaires qui nous trouvent autour de nous, quand nous trouvons une feuille sec tombée. Il ne faut pas nous trouver comme un problème, il faut nous trouver comme un futur compost qui peut nourrir la terre et les plantes. Si une branche peut casser, je dis ok, mais ça fait là, man poule pour manger. Je trouve une bande mousseline, je dis mais mousseline là, il peut contrôler une bébé, une bande pied papaye. Et dans les autres places aussi. Quand nous trouvons n'importe quoi qu'il nous trouve, en fait, quand nous trouvons la vie, nous sommes contents. Mais pas quand nous trouvons une bande pied poussée, nous disons que ça a un problème. Nous sommes coupés partout, nettoyer les propres, non, c'est pas ça. Nous sommes calculés qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous vivent. Bande insectes, bande oiseaux, nous là-dedans, une bande de qualité, bande mammifère. Et nous devons apprendre à vivre en harmonie. Donc, réobserve la matière, récomprendre exactement ce qui peut arriver et respecter les pour que nous puissions vivre dans un, quelque chose qui est harmonieux, quoi. Un affaire qui est vivant. Les extra quand on guette man flair, man fruits. Donc voilà, c'est ça. Alors, ok, là, on va depuis une demi-heure, on va mettre fruits à pain là. Donc, le check un petit peu, si il paraît. On va le bon, ouais. Ouais, ouais, super. Allez. C'est bon.
donc du coup, là nous préférons les affaires les plus simples, les plus basiques. Ça vient d'une buis fouille à pain, ok. Nous mettons un petit peu de sel. Je vais mettre du sel là-dedans, des lieux là aussi, ça. Il absorbe bien en fouille à pain là. Mais nous faisons simple parce que pour sa recette aujourd'hui là, c'est fouille à pain buis. Vous m'avez accompagné de beaucoup d'affaires, ça, hein. Sartini, Dibert. Nous nous faisons une affaire spéciale, vous pouvez trouver dans un petit moment. Donc ça c'est une recette plus facile qu'il y a, il n'y a pas de buis. D'ailleurs, je vous ai goûté ce faline bien buis, non, attention à le malade. Ça. Ouais, c'est bon. Donc, fondant. Alors là, ce que nous pouvons faire, nous première partie, nous finis, hein, pour y avoir une buis et nous pour accompagner avec une feuille de patate douce et poireau au lait de coco. Donc à l'époque, ben, on dit bon, tu peux manger ça comme une brède, hein, parce que c'est une affaire qui pousse beaucoup et qui est super bon. Mais là, aujourd'hui, nous pouvons parler justement de ce système-là qui est un peu un mélange, juste pour ne pas faire toujours les mêmes choses. Okay? Mais vous profitez, moi, j'ai de ça de l'eau là, moi, rose bambou, là, une coupe de bois. Voilà. Ça, nous avons coupé, mais il n'est pas forcément nécessaire de couper. Mais nous avons taillé un coup sa poireau là. Ok, là par exemple, nous avons travaillé avec sa poireau là. Donc on va le trouver, il est tout à fait correct, poireau là. Et il n'a pas servi aucun produit chimique. Et il y a un système qui s'appelle no-till garden. Hein, ça veut dire ne pas fouiller, nous créer des layeuses pour nous planter. Et qui nous servit à une méthode bien simple de respect du sol. Et nous retrouvons avec un produit qui. Super correct en fait. Donc ok, ça veut dire là nous faire une affaire simple, nous faire la sauce qui peut accompagner mon fouille à pain buis. Donc l'ipou, un petit affaire marie sympa. Donc de l'huile peut déjà chauffer là. Ce qui nous fait après nous rajoute mon monsieur poireau qui nous fait sauter un peu et ensuite nous rajoute feuille de patate douce, nous fait sauter, nous rajoute du sel, du poivre. Et nous finir avec du lait coco et nous couvrir et nous laisser mijoter. Nous gagnons la sauce. Ça fait très simple. Alors, maintenant, nous rajoutons bon poireau. Et puis, on laisse ça nous stir-fry un peu. On rajoute un petit peu de sel à ce niveau-là. Mais tout à l'heure, quand on fait une patate douce, on fait une patate douce prend beaucoup de volume au début. Donc. Bon, une autre chose aussi, hein. Tous les jours, on va cuire comme ça. c'est un plaisir qui, autant que possible, me fait aller. Ben, je suis content, ça, hein. C'est l'authenticité dans la saveur de la nourriture. Je vais couper une feuille de patate douce, mais je vais laisser les entiers aussi. Et là, il faut couvrir. Je vais couvrir ça un coup. Comme ça, les diminuer. Après, nous rajouter le reste. L'accompagnement est paré là. Le check un petit coup, après le check. Ouais, super. Le cas, ce qui me trouve fantastique, c'est que la table douce là, il y a une Marie Léa, une Marie Brenne en fait. Voilà, c'est bon. Ok les amis, le moment tant attendu est arrivé. Le plat est prêt, ça veut dire nous avons, on va dire, trois affaires spécifiques. Hein. Mon goût de sa roquette là, un coup d'abord. Roquette là, les 10 comment elle était là. Hein? Fantastique. Ça veut dire qu'il y a une affaire qui est naturelle, hein? Il n'y a pas besoin d'ajouter non là.
maintenant, on prend ça la sauce de sa feuille de patate douce là. On met l'île au safouille à pain là. Donc ça aussi, Marie, bon. Un truc très simple. Et nous finit par sa poireau et sa patate douce. Allez. Mais ça pour moi, carrément moi étonné parce que l'île pour moi 39 ans pour moi le connaît, qui ça mange, c'est ça.